Notre aventure commence encore et toujours à Tabrouk. Nous y retrouverons une jeune et prometteuse héros, Azem Livet, féline druides qui a été envoyée à Tabrouk pour y rencontrer le draconien Akrab Kordram. Elle va donc faire ses premiers pas dans la faction des héros et recevoir sa première mission. Heureuse et angoissée à la fois, notre féline arriva d'un pas ferme devant les portes de Tabrouk. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qui seront ses nouveaux compagnons qui participeront à cette nouvelle aventure. Ma chère Azem Livet, tu es une jeune druidesse, tout simplement, oui, qui a été fraîchement accueillie dans la guilde des héros, la guilde des aventuriers, dirigée par les mages, les dragons et les draconiens. Tu as été adoubée par un draconien dans ta propre région, tout simplement, d'où tu viens, tout simplement, hein, évidemment. Et tu as soif d'aventure, et pour débuter, on t'a affecté à une région assez lointaine de chez toi. C'est-à-dire que toi, tu viens de Psaran, une région du nord-est du pays, pour te transférer au centre, hein, du pays, tout simplement, des terres d'Actalia, pour simplement aller y rencontrer un certain Akram Kordram, qui est le draconien, donc le maire du village, hein, et donc le patron de cet endroit, qui va te guider pour ta première mission. Tu as tous les papiers officiels, évidemment, pour pouvoir pénétrer la ville de Tabrouk, puisque c'est là où tu es, dans le village, pardon, pas la ville, mais le village de Tabrouk, hein, un charmant village, évidemment, bien gardé, évidemment, parce que c'est la capitale des héros de la région dans laquelle tu te trouves, à Drobroïm, qui est la région centrale. Et tu as donc pour première mission, dans l'idée, d'aller rencontrer les draconiens, être céleste, être divin, évidemment, hein, impressionnant, de grande carrure, comme tu as déjà pu le voir. Ce sont des êtres très calmes, très posés pour la plupart. Tu es partant, tu es frétillante, tu es chaud patate pour vivre des aventures. Mais avant, je vais te laisser te présenter, ma chère Azem, avec ton personnage que je vais afficher, évidemment. Page personnage, là. Tac, voilà, et je te laisse du coup discutailler et t'expliquer qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'est pas arrivé et quelles sont un peu tes caractéristiques. Oui, alors bonjour, je me présente, je m'appelle Livet Azem, je suis orpheline, fraîchement diplômée de l'Académie des Druides de la forêt de Luntaria. Mes parents étaient des apothicaires itinérants, ma mère concoctait des remèdes à base de végétaux, de minéraux. Elle faisait ses potions sans éléments organiques ou morts, elle disait que c'était pour les charlatans ou les méchantes sorcières. Mon père lui avait une grande capacité de guérison grâce à la magie. Il n'avait peut-être pas les connaissances de ma mère, mais il pouvait soigner des blessures telles que des fractures, ce que les potions de ma mère n'auraient pas su faire. Nous avions une carriole, c'était comme une petite maison qui bougeait, c'était chouette. Dedans, suspendu, il y avait les fioles et les remèdes de ma mère. Par l'unique petite fenêtre, le soleil se reflétait, des milliers de couleurs y jaillissaient. Et d'autre part, les livres de mes deux parents qui mélangeaient science et magie. Ma petite maison était tirée par deux oiseaux, des compagnons que je connaissais depuis que j'étais toute petite. Des oiseaux qui avaient la taille de grands chevaux. Un soir, alors que j'avais 8 ans, nous nous dirigeons vers la file... de Sangrilara dans les montagnes, la capitale des vampires, hein, il faut le savoir. La capitale dans les montagnes. Exactement. À l'embranchement, nous établissions le campement pour la nuit. Non loin se tenait la forêt de Luntaria. À la lisière de cette forêt, nous permettait de nous approvisionner en petits bois, végétaux ou plantes comestibles. J'y suis allée pour chercher du petit bois pour le feu sans trop m'y engouffrer. Je ramassais de quoi me remplir les bras. Après une brise glacée, tout en entendant un cri strident sorti tout droit des sept enfers. Je lâchai immédiatement ce pourquoi je suis venue. J'entama ma course effrénée jusqu'au campement. En arrivant sur place, ne fit presque plus la différence entre le sang, les plumes... Mes deux compagnons que je connaissais depuis que j'étais toute petite, depuis ma naissance,
et pour la première fois de ma vie confrontée à la mort elle-même. J'eus du mal à regarder autre chose, pétrifiée, horrifiée, la carriole juste derrière renversée, ma mère ensanglantée. À son abord, je me pencha sur elle, serrant ses vêtements, essayant d'en la faire bouger. De mes yeux commença à couler des larmes, de tristesse, de peur, je ne sais même plus. Je vis apparaître derrière moi une ombre. En me retournant, je vis mon père, le corps et le visage déformés par une transformation abjecte. Un son rauque sortit de sa bouche. « Cours !» me disait-il. J'arracha le médaillon rouge de ma mère comme la dernière chose qui me relia encore à ce monde. M'enfuyant dans la forêt, courant en ne sachant où aller, j'atterris dans une petite clairière. Mon père m'avait rattrapé. Il me fit tomber au sol, se tenant devant moi. Je m'agenouilla en le regardant, pensant qu'il pourrait y avoir encore un espoir qu'il me laisse en vie. Mais en le regardant dans les yeux, je vis plus âme qui vive. Me résignant à mourir, baissant la tête au sol, j'ai décollé de celui... Oula, attendez. Tranquille. J'ai perdu le fil. C'est pas grave, tu étais dans cette forêt, tu as été sur le point de mourir par les propres mains de ton père au moment où... Alors, tu as été sauvé, normalement, si je me souviens bien. Me résignant à mourir, baissant la tête vers le sol, je regarda vers lui. Je décollais de là, pris de la hauteur, un gigantesque tronc écrasa mon père avec violence. Un Ent venait de me sauver. La vie. Alors, sans dire un mot, comme si tout ce qui venait de se passer était ce qui devait arriver, comme le lever et le coucher du soleil. Il rebroussa chemin et s'enfonça dans la forêt. Je le suivis, sans dire un mot, en sanglotant, en serrant le médaillon de ma mère. Nous marchons des heures et des heures, à tel point que mes coussinets commençaient à me faire mal. Mes yeux me piquaient, j'étais trop fatiguée, je voulais dormir. Puis il s'arrêta, devant une immense bâtisse en plein milieu de la forêt. Des femmes de différentes ethnies, avec de longues robes, m'attendaient devant l'entrée. Elles m'accueillirent, sans poser de questions. Après avoir passé une période de quarantaine, j'ai pu m'instruire au pouvoir des druides. Plus tard, j'ai appris que mon père souffrait d'une forme de maladie contagieuse dormante qui avait décimé des milliers de personnes. Et que le lendemain, ils sont allés tout brûler, la carriole, les fioles, les livres, mes compagnons, mon père, ma mère. Ma vie, jusqu'ici, est partie en flammes. Je prie et ferai mon possible pour que ce genre de choses n'arrive plus à personne. Une belle et fantasque idée. Voici l'histoire d'un souvenir d'une enfant. Après avoir appris ce que je pouvais apprendre au sein de l'académie, je pars parfaire mon expérience à ceux qui en ont besoin, comme mes parents. Je suis d'un tempérament calme, sauf dans certaines situations où mes émotions prennent le dessus. Je peux faire des choix pas très réfléchis. J'aime manger et boire. J'aime pas trop les aliments sucrés. J'apprécie presque tout et tout le monde. Je déteste les araignées, les très grosses araignées. Ah bon ? Eh oui. Pour petite précision, il faut savoir que tu as été sauvé par Dur Écorce lui-même, l'un des très grands chefs et rois et sages des Ents, qui est le leader et celui qui veille au bien-être de la forêt de Luntaria. Donc, une chance dans l'idée d'avoir pu rencontrer un être voilà, d'une pure sagesse et extrêmement peu visible. Voilà. Mais à noter. Donc, il y a un petit background, hein. Il faut le voir, il faut le savoir. Donc, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que Lapine, ma chère Livette Azem, tu as vécu des moments difficiles durant ta jeunesse, tu as appris dans le monde druidique, tu as vécu donc, tout ce côté druidique, tu as appris à vivre avec, et tu as décidé de partir à l'aventure pour aider ton prochain, si j'ai bien compris, et découvrir un peu le monde aussi, autre chose que qui t'entourait. Qui t'entourait, exactement. Donc, on peut
En résumé, dire que tu es orpheline, tu as un tempérament calme, tu es sociale, tu adores manger et boire, tu prends des décisions parfois maladroites, hein, en fonction des émotions qui peuvent arriver, tu n'aimes pas les aliments sucrés et tu es arachnophobe. Ah oui. Tout simplement. Les toutes petites, ça me dérange pas. Tu sais, les petites, les toutes petites comme ça. Les toutes petites, toutes petites. Mais les plus grosses, c'est les araignées géantes, hein, et tout ça, etc. Effectivement, c'est. Mon Dieu, loin de moi. Loin de toi. Qu'on les brûle. Brûlez-moi tout ça. Donc voilà. Donc, on a un beau résumé de toi. Je te remercie. Et donc, tu es arrivé. Tu es là. Tu es arrivé à Tabrouk. Voilà, après tout ton passif, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as pu apprendre. Tu es assez jeune, donc tu es comme une féline, pour montrer. Hein. Donc tu es une race, donc homme-bête, féline, druide. Tu fais 1m70, tu as 28 ans, donc tu es encore assez jeune. Il faut savoir que les hommes-bêtes vivent assez vieux, de base. Hein, je suis tout juste sortie de l'académie, là. Exactement, exactement. Tu es pris de tout et de court, tu es prêt pour tout. Tu es prêt pour partir à l'aventure. Et c'est le moment. La fougue de la jeunesse. Exactement. Et tu es arrivé, du coup, tu es à Tabrouk. Donc, pour résumer, comme j'ai dit, tu as été adoubé par un draconien de ta propre région. Et tu as les papiers officiels pour arriver à Tabrouk, pour rentrer, pour aller voir un certain Akram Kordram, tout simplement. Donc, voilà, je te laisse avancer. Arriver, évidemment, donc tu es déjà devant la porte. Et donc, évidemment, un garde t'interpelle et dit halte là. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Bonjour messire, j'ai une missive pour venir voir Akram Kordram, puis-je passer s'il vous plaît? Vous avez les papiers? Oui bien sûr. Alors tu donnes les papiers simplement, alors. Il lit. Tout ça m'a l'air en ordre. Une féline. Tu regardes comme ça, il fait. C'est assez rare de voir des félines ici. Je sors de l'académie de Luntaria. Oui, je vois que vous êtes druidique, on manque de druides. C'est peut-être pour ça que vous arrivez, vous êtes toute jeune, hein, vous êtes débutante, c'est ça? Vous commencez votre première... Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir Akram, très bien. Eh bien, un soldat, vous, va vous accompagner devant, on va dire, l'endroit où il faut aller, parce que vous ne connaissez pas Tabrouk, je suppose. Non, c'est la première fois que je viens, messire. Je peut-être me reviens pas, mais comme je suis assez récent, c'est pour ça. Eh bien, écoutez, un garde va vous accompagner jusqu'à la porte du maire, tout simplement. En descendant, une bonne journée à vous, mademoiselle. Et vous bienvenue, aussi, monsieur. Et bienvenue à vous. Donc tu rentres. Merci beaucoup. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Le garde. Le garde qui est ici, donc te parle, dit que. Donc, c'est vous la nouvelle? Oui, monsieur. Très bien. Alors, suivez-moi, si je vous prie. Et là, tu découvres, hein. Donc, tu arrives, donc, pour résumer, donc, tu arrives dans un village qui est. Assez récent dans l'idée, tout est assez neuf en termes de construction. On est en fin automne, début hiver, hein, il faut savoir, comme tu saches. Donc on est vraiment à la fin de l'automne, l'hiver arrive. Donc on est vraiment sur le début des fraîcheurs, bien fraîches comme il se doit. Donc tu es équipé quand même, hein, pour ça, hein, évidemment. Tu as mis ta petite fourrure, tout ça, etc. Mais tu vois un village qui est en paix. Hein, malgré le fait qu'il y a plusieurs ethnies, tu peux voir plusieurs aventuriers de toutes sortes. Tu vois des hommes, des elfes, des nains, même des demi-orques qui sont là et qui se baladent dans l'idée, dans le village, sans problème, tout simplement. Donc, voilà ce que je veux te donner comme résumé un petit peu du village. Tu peux continuer à avancer et suivre le garde. Oh, hein. Petit lapin. Un lapin. Alors, évidemment, les gens te disent bonjour, hein, quand tu passes. Le garde là qui a vu te dit bonjour, simplement. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur. Par ici, jeune féline. Oui, monsieur. C'est derrière cette porte se trouve un long couloir et le bureau donc de Akram Kordram, notre bienfaiteur, est tout au fond à droite. Dernière porte au fond à droite. Oui. Très bien, messieurs. Vous pouvez laisser passer, c'est une nouvelle recrue. Alors les messieurs sont là, ah, bonjour. Bonjour. Puis-je quand même voir vos papiers, s'il vous plaît, pour vérification? Bien sûr. Si jamais. Alors, évidemment, tu donnes. Voilà.
Tout m'a l'air en ordre. Très bien, très bien. Ben, écoutez, comme a dit mon collègue, c'est tout au fond, à droite. Vous pouvez entrer. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Alors, ma chère Lapine, du coup, je t'invite à baisser du coup la vision pour voir l'intérieur. Hein, oui. Trouve le juste milieu pour avoir juste la vision qui te permet d'avoir l'étage. Voilà. Donc les gardes te voient et te disent bonjour, évidemment. Voilà. À droite. À droite. Le garde qui est ici te salue. Oui, si, je suppose que vous cherchez le bureau de Akram Kordram. Akram Kordram, oui. Puis-je voir vos papiers, s'il vous plaît? Bien sûr. On n'est jamais trop prudent, vous savez. Voilà. Les parvis sont dans l'ordre, très bien. Je vous demanderai par contre de bien vouloir déposer toutes les armes à mon collègue qui va les ranger. Bien sûr. Ce sont les règlements pour aller voir. Donc, tu donnes, c'est une question que je te pose à moi, de toi à moi. C'est, tu donnes toutes tes armes ou tu gardes des armes? Tu veux garder une arme secrète ou pas? Non, j'y vais pas. Mis à part mes popos, ouais, je veux garder ce qu'il y a dans mon sac. Mais oui, les armes, je les donne. Très bien. Alors, les armes, donc il dit merci bien. Donc, en gros, il va les ranger hein, tout simplement dans la caisse. Oui. Hein, voilà. Je vous demanderai juste de patienter une petite seconde, évidemment, temps que Kordram nous indique, c'est bon. Tu vois, justement, sur ces deux gardes-là, une espèce de médaillon, en fait, qui sert certainement de communication par distance avec le draconien en lui-même, personnellement. Et ce qui se passe, tout simplement, c'est que, au bout d'un petit temps d'attente, tout simplement, le garde te dit « Akram Kordram vous attend ». Vous pouvez entrer. Merci, messieurs. Bonne journée. À tout à l'heure, mademoiselle. Donc, tu peux t'arrêter devant la porte. Hein. Arrête-toi devant la porte, hein, tranquillement. Donc, en rentrant, donc, tu vois trois personnes. Évidemment, tu vois un immense draconien. Tu peux pas le louper. Hein. Il est énorme. Il est énorme. Il est majestueux. Il est respectueux. On sent tout de suite une grande présence. Tu vois le général de l'armée. Hein, parce que donc, ce sont des soldats que tu as vus, et il y a forcément un général. Lui, les blasons, donc, pour reconnaître donc, dans la hiérarchie chez les héros, tu peux le voir à la couleur de leurs armures. Les armures de bronze sont pour les archers, les armures d'argent sont pour les soldats, et l'armure d'or sont pour les généraux. Donc là, tu as le général en chef. Tu as un troisième personnage, d'ailleurs, assez mystérieux dans l'idée, au loin. Tu vois qu'il a l'air assez âgé, mais pas trop. C'est-à-dire il est grisonnant un peu de partout, mais il a une belle barbe, il a une canne, et ils sont autour d'une table. Et d'ailleurs, le draconien, en fait, ils sont en train de discuter, hein, voilà, tout simplement. Et le draconien, en te voyant, il t'aperçoit au loin et te dit « Ah, Azem Livette !» Il s'approche comme ça. Bonjour. Venez par ici, mon enfant. Oui, j'arrive. Alors. Bonjour. Bien le bonjour. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Oui, merci beaucoup. Il fait un peu froid dehors. Effectivement, l'hiver va être rude, effectivement. Mais je vois que vous êtes déjà équipé pour cet hiver. C'était bien. Je tiens déjà à vous remercier d'avoir choisi la faction des héros. Merci à vous de m'y avoir laissé entrer. Mais c'est avec joie, il n'est pas courant que nous voyions des félins, des félines, rejoindre la faction des héros. Et surtout, vos talents de druide seront un atout considérable, évidemment, dans nos quêtes. Nous manquons de ce genre de connaissances. Il est vrai qu'il est assez encore difficile de rallier toute espèce à notre vision et à notre cause. Et je vous remercie évidemment de votre choix et de nous avoir choisis, bien sûr. Merci. J'ai cru comprendre que vous avez vécu dans la forêt de Luntaria. Oui. Vous avez. Les druides m'y ont accueilli. Oui. Et vous avez été sauvé par un Ent lors de votre petite enfance. Oui, le grand dur écorce. Oui. Oui, très grand et sage. S'il vous a sauvé, c'est qu'il a dû voir quelque chose d'important en vous. Peut-être que vous avez un destin différent des autres. Voyez ? Ah,
Je ne me trompe rarement et connaissant mon vieil ami Ent, je pense... Oui, je sens qu'il a raison. Vous êtes dédié à un grand destin. J'en suis sûr. Avec ou sans nous. Je l'espère. Tout autant que vous. Je vous invite évidemment à rejoindre ma table. Je vous ai appelé pour une raison assez évidente. Nous avons en fait une mission importante. Et comme première mission, je ne pouvais pas vous confier mieux qu'une mission qui vous permettra de ne pas être trop dépaysé de ce que vous avez pu connaître dans votre vie. Merci. Je tiens à vous présenter mon général des armées, qui te salue, hein, évidemment. Bonjour. Enchanté. Et un très grand ami et fidèle collègue ici présent. Je vous laisse bien sûr vous présenter, mon cher ami. Bien le bonjour, gentille dame. Je m'appelle Silverback Ravencroft. Je suis le comte de Moonbright. Je suis un lican argenté. Lican argenté qui est, en termes de grandeur et en termes de puissance, c'est le plus haut qu'un lican puisse avoir. Au-dessus de lui, c'est son patron, c'est les licans blancs. Donc en termes de hiérarchie, c'est un lican assez puissant. Voilà. Enchanté, messieurs. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Moi de même. Je vous ai fait venir ici pour vous donner une mission top secrète. Oui. Trois de vos compagnons sont déjà au courant et ont d'ores et déjà accepté. Le roi des vampires a contacté mon vieil ami Alexander Mordecai, le général de mon armée, pour une affaire de la plus haute importance. Tout ce que j'en sais est qu'il m'a demandé de trouver quatre aventuriers pas très expérimentés pour aller à Drun, voir la chef des draconiens, ainsi que le général Mordecai et un certain Abyssin nommé Hajim. Si vous décidez d'accepter cette mission, vos camarades de voyage vous attendent à la taverne. Oh, j'oubliais. Wolfrig ! Là, tu vois un corbeau, simplement, arriver et se poser sur la main de Ravencroft. Lors de votre voyage, si vous êtes perdu et que vous apercevez mon corbeau, Wolfrig, suivez-le, il vous guidera. Vous le reconnaîtrez avec ses yeux bleus clairs et son plumage bleu nuit, qui ne sont point des caractéristiques communes des corbeaux, car ce dernier est très spécial. Ah oui, non, ça c'est sûr. Effectivement, tu peux pas le louper, hein. Il est vraiment... les caractéristiques de ce corbeau n'est pas les mêmes, comme dit, en termes d'un corbeau habituel. Donc ne pas lui tirer dessus pour le manger. Et si jamais vous vous trouvez près de Moonbright, mon village, et que vous avez besoin de soutien, venez me voir, je vous aiderai sans aucun problème. Mon manoir se trouve tout en haut de la colline du village. Vous ne pouvez pas le rater. Sur ce, Akram, général, mademoiselle, je vous laisse. Je vous souhaite un bon voyage. Rentrez bien, mon cher ami, et soyez prudent. Merci. Bon retour. Donc voilà. Très bien, donc. Tu peux... Donc, tu vois que Ravencroft, justement, quitte la salle, tout simplement. Mais sire, puis-je vous poser une question? À qui? À moi ou à qui? Tu t'adresses à qui? Au monsieur qui part. Oui. Pourquoi envoyer des jeunes recrues? Eh bien, et là, c'est là que, en fait, Arkham va prendre parler dessus. Tout simplement, en expliquant. Eh bien, ce sont les désirs du roi en personne, vampire. C'est d'un côté assez... peu habituel et d'un autre côté un des plus grands honneurs que nous puissions avoir. C'est la première fois que nous avons une demande du côté justement vampire d'avoir la sollicitude de notre faction et pour nous c'est une aubaine évidemment de permettre en fait d'avoir une relation, une très bonne relation avec les vampires. Il se trouve que les vampires, vu le passé des guerres, etc., ont toujours eu beaucoup de mal avec nous. Beaucoup de mal avec les dragons, beaucoup de mal avec les draconiens. Et la deuxième faction n'a pas vraiment apprécié les tournures des guerres. Il faut savoir qu'ils ont perdu les deux guerres, hein, qui ont été enclenchées, deux grandes guerres. Et en même temps, comme dit, c'est assez atypique comme demande, je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants de tout ce qui est, de pourquoi, etc. Ce que je sais, c'est que c'est pour nous, d'un côté,
une grande chance de pouvoir traiter avec le roi en personne, et pour vous aussi un immense honneur de pouvoir aller voir un roi, et que ce roi vous confie une mission. Il faut... C'est très étonnant. Tu vois qu'il cherche quand même à comprendre pourquoi aussi, de son côté, pourquoi il prendrait des jeunes recrues, expérimentées, mais ce sont vraiment les demandes du roi vampire en personne, tu vois. Et le général est là, le général qui est là, il fait « Soyez quand même prudent. Les vampires sont pas réputés, enfin, je pense que vous êtes mieux placé pour le savoir, hein. Vous venez de la deuxième faction, et c'est pour ça qu'on vous choisit, vous, hein, et plus que d'autres. Vous venez de cette faction-là, vous êtes de la deuxième faction, vous êtes de la faction Guis Luna, les félins ont une relation normale avec les vampires, les loups-garous, les orcs, etc. Donc c'est plus simple aussi pour nous d'envoyer des aventuriers quand même qui ont un passif positif, hein, avec les vampires, que d'envoyer un homme, un paladin, par exemple. Nous avons un ami à nous, un jeune aventurier à nous, qui est Alex Clayden. Je le voyais mal aller voir un vampire, alors que les hommes et les vampires sont quand même en froid depuis toujours. Donc c'est pour ça. Et vous tombiez juste à pic dans l'idée, parce qu'on nous a demandé de nouvelles recrues, et vous correspondez parfaitement à l'idée qu'on pourrait se faire d'aller à un endroit. Mais, comme je vous le dis, soyez prudents. Et Akram, justement, reprend le dessus en disant... Oui, soyez prudents. Les vampires, et surtout le roi Vincent von Vespertilio, n'est pas réputé pour être quelqu'un de tendre, ni gentil. Ce sont des êtres froids, des êtres puissants. C'est le plus puissant de tous les vampires. De toute façon, vous serez briefé par ma collègue qui habite à Drun, qui est la capitale des héros de votre région, tout simplement. Et vous serez bien évidemment débriefé avec... comme vous avez pu entendre, mon ami, son chef des armées, Alexander Mordecai, et Arim al-Bashar al-Ama, qui est un aventurier qui a fait ses preuves chez nous, qui est un abyssin de haut rang, très sage. Donc, vous serez pas non plus... On vous envoie pas un endroit sans prendre des précautions non plus, sachez-le. Voilà. Trois de vos collègues vous attendent évidemment à la taverne, ce qui est juste là, juste en face, hein, derrière nous. Ouais, enfin, derrière vous, précisément. Ils sont prêts, ils sont débriefés, ils ont déjà une expérience des aventures, ils vous accompagneront. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'user bien de votre relationnel avec eux pour essayer de tirer les meilleures parties. Pour justement éviter tout malentendu de d'autres races. Genre, vous serez plus facile à vous de discuter avec eux que d'autres. Voilà, oui. C'est ça que je veux dire. Tout simplement. Donc, mais ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Ne vous inquiétez pas, je ne me permettrai jamais d'envoyer une nouvelle recrue à l'abattoir. Sachez-le. Ce sont les rois des vampires. D'une partie, c'est une aubaine. D'une autre partie, il faut y faire attention. Mais vous ne serez pas seul. Voilà. Nous allons faire de notre mieux. Je vous remercie, bien sûr, ma chère Azem Livette, en vous souhaitant bonne chance et bon courage. Vos amis vous attendent, bien sûr, à l'auberge. Là, vous ne pourrez pas les louper. C'est un abyssin. Vous savez ce que c'est un abyssin ? J'ai même pas de vous demander. C'est un élémentaire d'eau ? Non. Un abyssin, ma chère amie, c'est une race d'hommes, tout simplement, qui vit dans le désert. Qui vit dans le désert. Voilà. Ben, vous vous rappelez très bien. Ben, ce sont des gens cultes, du culte de la magie, des dieux, du sable, voilà, et du feu, de l'après-vie, de l'après-mort. Ce sont des gens respectables et notre ami Amef Amazi, c'est quelqu'un de bien. Vous serez bien accompagné. Donc, un abyssin. Il y a un elfe Menelwa, elfe de lumière paladin, qui vous accompagnera durant ce voyage. Et un elfe Sindoré, un elfe de sang. Vous ne serez pas très dépaysé, puisque les elfes de sang vivent justement dans votre région. Sachant qu'en plus, vous vivez pas loin, vous avez dû commercialiser évidemment avec les vampires et les elfes de sang dans votre région. Donc, vous ne devriez pas être trop perdu. Ça devrait aller. Voilà.
Donc Folwyn Nainan pour l'elfe lumineux. Et nous avons du coup Ablop Arcadia, qui est l'elfe Sindoré, qui vous attend à la taverne. Très bien. Je vous souhaite bonne chance pour votre mission. Ne soyez... Soyez prudente. Ne soyez pas héroïque. Ne tentez pas des choses extraordinaires. Si vous sentez que ce n'est pas bon, que vous sentez un piège ou quoi que ce soit d'autre, revenez et on tiendra évidemment pas rigueur de ce qui pourrait se passer. Voilà. D'accord. Okay. Si vous n'acceptez pas la mission, etc., je ne vous en tiendrai pas évidemment de rigueur. C'est votre première mission. En plus, vous allez rencontrer le roi en vampire en personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez prudente. Et en même temps, soyez honorée, parce que c'est un grand honneur. Et je pense justement que le destin a fait en sorte que vous soyez là à ce moment précis. Je l'espère aussi. En vous souhaitant une bonne fin de journée à vous et bon voyage. Merci. Avant de partir, puis-je vous demander où se trouve la taverne ? Quelle direction prendre ? Bien sûr, vous sortez par la porte et c'est la première porte à la gauche, du coup, où vous aurez la taverne. Sinon, demandez aux gardes, au pire, vous pouvez pas perdre du temps. C'est la première à gauche, hein, en sortant, première à gauche, une grande porte pour arriver à la taverne. Merci ! Mais de rien. Je vous souhaite bonne continuation, monsieur. Très bien. Le garde, justement, le chef de l'armée, vient quand même en te disant, si vous avez besoin de fourrure en plus pour le voyage, n'hésitez pas à demander au tavernier. Il vous permettra d'avoir gratuitement une fourrure ou deux supplémentaires pour le voyage. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Je compte beaucoup sur vous pour cette mission. Ça pourrait être un atout considérable d'avoir le roi des vampires en bonne entente avec notre faction. J'essaierai de faire de mon mieux. Bonne journée. Merci. Et tu vois que le draconien avec petit geste comme ça ouvre la porte de loin, qui permet justement de quitter la salle, tout simplement. Waouh. Ah. Ah. Une porte. J'avais perdu. Voilà, donc tu es là, le garde te redonne tes armes, évidemment. Ça s'est bien passé ? Très bien, merci. Très bien. Très bien, très bien. Mais écoutez, bonne chance à vous, hein, et en espérant vous revoir. Oui, moi aussi. Donc voilà. Donc, Lapine, je vais un petit peu t'expliquer en long. Donc, on t'a confié une mission secrète. Secrète signifie secret, hein, dans l'idée. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que personne n'est au courant de cette mission dans l'idée à part eux. Et tu as donc rendez-vous avec des alliés pour cette mission, pour aller à la taverne, tout simplement. Voilà, ils t'attendent à la taverne. Et donc, c'est une mission qui te va dans l'idée. Qui va dans le sens de qui tu es, etc. C'est ta première mission, et donc tu vas retourner, du coup, dans la région dans laquelle tu as été, tu as vécu, tu as eu tout ce que tu as pu vivre. Voilà, simplement. Oui, mademoiselle, c'est pourquoi ? Oui, bonjour, je suis attendue par trois autres aventuriers. À la taverne ? Oui. À la taverne, c'est derrière vous, mademoiselle. Ici, oh, pardon. Ici, c'est le magasin de magie. Vous n'y avez pas encore accès. Vous êtes encore une débutante. Il faut finir votre première mission pour accéder à la forge des héros et au magasin des héros. Merci, monsieur. Excusez-moi. Passez une bonne journée. Bah, pas de souci. Pas de souci. Hein. C'est normal. Hein, la première fois, on peut être dépaysé. Bonjour. Non, c'est pas ici la taverne. Bonjour. Je crois que je me suis trompé de porte. La taverne, si, c'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici, mademoiselle. Soyez bienvenue. Merci beaucoup. Bien. Merci. Régalez-vous, hein. Faites-vous plaisir. Donc tu arrives, voilà. Donc là, l'ambiance, évidemment, est très festif. Hein. Tu entends des rires, des plaies. Donc il y a plein de monde de toutes sortes. Donc là, dans la pièce, ici, tu y vois des elfes. Tu y vois un minotaure au fond. Tu vois un autre félin, d'ailleurs, un peu plus loin, avec son groupe d'aventuriers, etc., qui mange, qui festoie, qui rigole, qui se dispute, mais... tout a l'air un peu bonne ambiance. Voilà, bonne ambiance, exactement. Toi, tu cherches du coup trois aventuriers et ils ne se trouvent pas vraiment ici. Là, tu arrives du coup devant le tavernier qui t'arrête tout de suite. Ah ! Bonjour ! Bonjour, tavernier ! Comment allez-vous, jeune féline ? Ça va bien, merci à vous.
Bah écoutez, fort bien, fort bien. J'ai entendu parler de votre arrivée. Vous êtes du coup Azem Livette. Oui, et je cherche mes compagnons. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir où je puis me soulager, s'il vous plaît. Ah, les toilettes, eh bien, c'est à l'étage, mademoiselle, donc vous pourrez monter à l'étage. Mais attendez, beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de me présenter, je suis Richter Bedenwolf, je suis, donc, on va dire, le gérant de cet établissement, et vos collègues que vous cherchez sont juste là, à votre droite, tout simplement, la première table, vous pouvez pas les louper. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de renseignements. Je connais beaucoup de choses. Je reviendrai vers vous si besoin est. Bonne journée à vous. Et merci bonne chance. Merci de même. Oui, merci. Donc voilà, Lapide, tu peux aller tout simplement voir tes compagnons. Je considère que tu es déjà allé te soulager dans l'idée. Hein, et puis quand tu ensuite fais des excuses, voilà. Et là, arrive. Ouais. Les je compagnons. Reviens. Alors. Voilà. Messieurs, vous pouvez apparaître aux yeux du monde. J'avais pas compris que c'était pour de vrai en fait. Alors du coup, c'est pour de vrai. Ah, je suis allé me. Du coup, est-ce qu'on peut être en RP le temps qu'elle. Ah non, mais vous pouvez rester en RP là. Vous restez en RP. D'accord. Vous pouvez juste discuter entre vous là, les gars, maintenant. Donc. Ouais, bon, je sais pas où est-ce que ça va nous amener cette nouvelle histoire. Ah, bah, je sais pas non plus, hein. 3 semaines, c'est assez long hein, quand même. Hein. Mais j'espère aussi qu'on va pas avoir trop froid avec les premiers jours de l'hiver qui vont pas tarder à arriver là. Il va falloir trouver des vivres sur le chemin parce que la nourriture va pourrir d'ici 3 semaines. Ou alors, justement, elle va se conserver avec le froid. Non ? Vous ferez certainement des haltes, hein, de toute façon, hein. Dans l'idée. Oui, on fera pas tout le trajet. On fera pas le trajet, une traite sans aller voir. Ça va être compliqué sinon. Et du coup, Amlop, tu t'es remis de tes coups faits par tes alliés parce que. J'ai encore une petite cicatrice, une petite bosse sur la tête, mais bon, ça va guérir avec le temps. D'accord. J'espère vraiment, par contre, que notre prochain coéquipier sera cool. Pas comme mes précédents. D'ailleurs, je compte sur vous aussi. Hein. Pas de soucis. Tu pourras nous. Nous avons évité le pire dernièrement. Bon, donc. J'ai oublié quelque chose maintenant que j'ai les idées claires. Dis-toi que j'ai grandement aidé la première mission parce qu'il y a notre allié voleur. Qui voulait à tout prix voler dans les coffres. Ouais. Et moi je disais c'est urgent de sauver Jeanne. Jeanne qui est d'ailleurs, je sais pas si tu l'as rencontrée, nous a servi. Bah c'est la tavernière, non? Ouais, la tavernière. Ah oui. Et je sais pas si tu as remarqué, elle avait une mèche rouge. Bon maintenant elle est un peu plus décolorée qu'elle a dit. Mais ouais. C'est à cause justement à son enlèvement. C'est dû à son enlèvement. D'accord, ok. C'est pour ça. Lapine, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est bon, je suis là. Très bien, Jérôme. Donc du coup, tu peux aller voir tes compagnons, à moins qu'il y avait une question encore. Oui, excusez-moi, madame, je cherche... Je dérange juste encore le tavernier. Oui, pas de souci, vous pouvez déranger mon mari, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. On m'a dit que je pouvais me... Enfin, que vous pouviez me donner des fourrures. Pour l'hiver, hein, bien sûr, évidemment, oui. Ne bougez pas. Alors, pour Féline, vous êtes druide, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Oui, donc il faut quand même quelque chose d'élégant, de beau. Voilà, bien. Ça tombe bien, justement, j'ai un arrivage pour ça. Alors, tenez. Alors, du coup, il te donne simplement une fourrure. Simplement. Merci. Qui te va même parfaitement bien. Tu vois, elle te centre bien. C'est pas trop large, c'est pas trop court. C'est juste la bonne taille parfaite. Ça te réchauffera bien pour cet hiver. Tu n'auras pas de problème. C'est à ma taille, merci beaucoup. Mmh. Comment avez-vous fait pour trouver une telle beauté? Ah, il va pas le dire, hein, mais celle qui fait les commandes ici, c'est moi. Bien sûr, madame. Mais c'est faux, je gère parfaitement bien cet endroit. Oui, bien sûr. Non, je ne m'en doute pas, mon chéri. N'hésitez pas à vous installer, je vais vous servir très vite. Merci.
Tu Bonjour. Arrives. Bonjour. 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 Je suppose que tu es le quatrième aventurier. Oui, je m'appelle Azem. Enchanté de faire ta connaissance. Je suis de même. Amephamazis, un abyssin. Il y a Amlop, qui est un elfe de sang. Et on a Folwyn, qui est un elfe ménélois. Voilà, merci. Voilà. Mais j'espère pouvoir... J'espère qu'on s'entendra bien, que nous allons faire bonne fortune et puis... Oui, je pense bonne aventure. Il n'y a pas de raison particulière à ce que cela ne se passe pas forcément. Bien. Ça devrait aller.